La journée s'annonce bien, les orages sont passés, le beau temps est revenu comme on l'avait commandé d'ailleurs. Les gens commencent à arriver, des conseillers en gestion de patrimoine, des gens de la société Aristophile, des gens qui viennent de Belgique, de la société Artésoris, qui est une filiale d'Aristophile. Donc ça vient d'à peu près partout en France et en Europe. Après un petit repas, un buffet déjeunatoire, on passe aux heures studieuses à 15h dans la salle America et jusqu'à 18h. Le temps d'annoncer les bonnes nouvelles, de montrer les nouvelles éditions, et ensuite on fera la fête. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il me revient le plaisir de vous accueillir avant le petit mot de bienvenue du président l'héritier. Pourquoi moi ? Tout simplement parce que je suis de Monaco. Je suis le coureur de l'étape, un enfant du pays. J'y vis depuis toujours. Je connais bien cette ville. J'espère que vous allez en profiter. Cet hôtel est magnifique. Vous avez le côté balnéaire. Vous avez aussi la chance d'être dans une ville qui a une véritable histoire. C'est une cité-état qui remonte au Moyen-Âge. Et si vous vous intéressez un peu à l'histoire, vous ferez, en regardant celle de Monaco, des découvertes impressionnantes, que c'est bien au-delà des clichés qui ont la vie dure et dont certains, cependant, sont vrais. Voilà donc, bonne journée à tous en notre compagnie et bienvenue Gérard. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en principauté de Monaco. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes venus de loin, en voiture, en avion, en train. Donc, bienvenue à tous les réseaux de Finestime, de Script Invest, aux équipes de Philippe Sanson, Michel Perronnet, Jean-Jacques Guittard. Vous avez répondu présent et j'en suis très heureux. Nous allons assumer quelques heures studieuses. Je sais que c'est un petit paradis et l'endroit où on se trouve aujourd'hui. Je vous demande simplement deux heures d'attention, même si pour une fois, l'essentiel ici à Monaco, dans ce cadre exceptionnel, c'est de fêter un anniversaire. Merci. 20 ans de succès pour le nom Aristophile. Ça fait 20 ans que mon père a créé ce nom. Et c'est vrai que c'est un moment important, je crois, pour mon père, pour tous ceux avec qui il travaille, pour moi, parce que c'est vrai que je le suis depuis pas mal d'années. Et je pense que ce soir, ce sera vraiment une soirée magique. Nous sommes très fiers de travailler au Musée des Lettres et Manuscrits. Donc pour nous, personnellement, c'est une satisfaction. Et puis en même temps, donc ça fait plaisir d'être entouré de tous ces manuscrits. Et on se dit en fait tous les jours qu'en réalité, si ces manuscrits n'avaient pas existé, peut-être que le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui.
les pionniers d'Aristophile, ils ne sont pas nombreux ce soir. Ils sont très peu parce qu'il y en a qui ont vogué vers d'autres comètes. Donc il y a Madame Annie Chevalier, il y a Madame Sylvie Courtois de Manger, ils étaient là toutes en 90. Et ils ont Sylvie, il y a aussi Babette et Jean-Marie Secchi qui vont nous rejoindre. Voilà, on les applaudit. Bravo. Voilà. Eh bien, monsieur l'héritier, vous êtes un infatigable chercheur d'étoiles et il était légitime ce soir que ces étoiles, vous nous les offriez pour de vrai. Oui, je crois que parmi nous, il y a des étoiles filantes, il y a des étoiles montantes et je crois que les plus belles étoiles ce soir, c'est celles qui vont apparaître au-dessus de vos têtes dans quelques instants. Les étoiles ne sont pas encore arrivées, mais vous les verrez tout à l'heure. Ça sera très chouette. C'est avec une certaine émotion que nous avons appris la naissance de Gérard l'Héritier, l'homme qui va révolutionner le monde des lettres et des manuscrits anciens. Pour le petit Gérard, les années d'après-guerre marquent le début d'une longue carrière qui le mènera successivement de la pêche à la ligne sur les bords de la Meuse, en passant par l'armée française où il s'illustrera brillamment, puis par la conquête de l'espace qui le mènera jusqu'à la fondation de la société Aristophile, fleuron de l'univers des manuscrits rares. Je pense qu'Aristophile a un bel avenir européen et peut-être international. Remettre les Amadeus d'or. Et pour remettre les Amadeus d'or, j'appelle à mes côtés Monsieur Gérard l'Héritier. Eh bien, je vais inviter à venir nous rejoindre sur le plateau les lauréats de ces Amadeus d'or. Bravo à tous ces lauréats des Bravo. Amadeus d'or. Alors, la photo de famille, n'hésitez pas à approcher parce qu'on a besoin de photos souvenirs. Demander à Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, de venir nous aider parce que là, on a besoin de lui. Monsieur Patrick Poivre d'Arvor, bonsoir. Alors, nous allons donc remettre les plumes d'or. La première plume d'or, c'est un autodidacte comme votre serviteur. Il est, lui, comte romain à titre héréditaire, excusez du peu, par décision papale. Sa forêt, à lui, c'est la forêt des livres, événement annuel que nombreux d'entre nous ici présents ont eu le bonheur de fréquenter. Vous avez nommé, monsieur l'héritier... Gonzague Saint-Brice. Non. Alors, il faut savoir que il y a 30 ans, nous avons créé... Vous savez, les révolutions ratées font les romantismes réussis. Mai 48 a fait Musset, mai 68 nous a fait, puisque nous avions 20 ans en mai 68.
Nous avons créé l'Académie romantique et dans cette académie, ils ont tous réussi, sauf moi. Il y avait Patrick Poivre d'Arvor, vous pouvez l'applaudir. Il y avait Frédéric Mitterrand, qui est devenu ministre de la Culture. Et il y avait Brice Lalonde. Et puis, tout petit, derrière, il y avait moi. Donc, merci de réparer cette injustice. Cette injustice. Merci, Gérard l'héritier. Et Patrick, comme moi-même, nous ne rêvons que d'une chose, être des aristophiles, c'est-à-dire art, histoire, philosophie. Merci. C'est Gonzague Saint-Rémy, bravo. Bravo. Bravo, bravo. Après Monsieur Gonzague Saint-Rémy, nous allons remettre la prochaine plume d'or, Monsieur Patrice Zer. On l'applaudit. Oh. Ça, tu t'y attendais pas, celle-là. Merci à tous, merci à toi Patrick, c'est une très heureuse surprise, je ne m'y attendais pas. Le secret a été bien gardé, je suis très très content d'être parmi vous et d'avoir été apprécié. Je vous remercie beaucoup d'apprécier mes interventions et de me le faire savoir. C'est toujours très important quand on travaille pour quelque chose auquel on croit, de savoir que le message que vous véhiculez est compris et apprécié. Merci et bonne soirée. Bravo. Monsieur Zer, Monsieur Poivre d'Arvor, restez avec nous, car nous allons maintenant remettre un trophée spécial. Et pour cela, j'appelle Mademoiselle Valérie l'héritier. Oui. Ah. Comme pour on dit la remise dans notre d'un trophée très spécial. Comme on dit dans notre métier, une surprise peut en cacher une autre. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. En fait, j'aimerais surtout vous parler de l'homme, cet homme qui est à la fois mon père et mon patron. Un homme qui s'est fait lui-même, au parcours extraordinaire, et dont le principal talent est d'avoir un formidable esprit créatif et un sens inné des affaires. C'est aussi un homme courageux et combatif, car je peux vous dire que le parcours de l'autodidacte qui fascine tant les médias se transforme parfois en parcours du combattant. Et des combats, il en a mené plusieurs, jusqu'au bout, sans jamais baisser les bras. Et quand on voit le résultat, je crois qu'il peut être fier de lui. Alors ce soir, nous te remercions d'être ce patron, un patron profondément humain. Et puisque j'ai la chance d'être aussi ta fille, je me permets de rajouter ceci. Je crois qu'on ne dit pas assez souvent aux personnes qu'on aime que l'on est fier d'elles. Alors ce soir, papa, je veux te dire que je suis fière de toi, fière d'être ta fille. Et partager cette merveilleuse aventure à tes côtés est un plaisir au quotidien. Cette soirée, je pense que nous pouvons tous te la dédier. Merci, c'est très beau. Je ne m'y attendais pas du tout, hein. C'est extraordinaire. Non, non. Merci. Ça, c'est une surprise. Merci, ma chérie. Bien, monsieur l'héritier, vous êtes un chercheur d'émotions. Nous l'avons vu pendant toute la soirée. Et vous avez voulu ce soir retrouver les émotions de votre adolescence. Il est là. Oui, et les vous êtes avec nous. Les émotions de Patrick aussi, parce qu'il aimait aussi. Salvatore Adamo. Eh bien, pour vous, monsieur l'héritier, pour vous, monsieur Poivre d'Arvor, et pour toute la salle, je vous demande d'applaudir. Il va chanter pour vous ce soir, monsieur Salvatore Adamo. On l'applaudit. Merci.
Je l'aimais bien ma tête, je la trouvais sympa, avec son air poète que je tenais de papa. Mais j'ai une autre tête depuis ce maudit jour où j'ai perdu la tête pour un stupide amour. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien, demoiselles que vous êtes jolies. Pas question de penser aux folies, les folies sont affaires de vos riens. On n'oublie pas les belles manières, on demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, c'est pour vous, Gonzague, et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie à vous. Et nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, anniversaire, Aristo. Aristophile et Gérard l'héritier, longue vie encore. C'est un rêve qui se réalise. Merci. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Lionel quand même. Oui, on va y aller un petit 10 secondes. On est bien reçu dans votre région. Ah oui, oui. Bien sûr, très heureux. Tout le monde est heureux, je crois. Non, les gens sont très heureux parce qu'ils ont découvert Monaco, la salle des étoiles. La soirée était extraordinaire pour eux et donc c'est pari gagné et puis c'est une belle fête. Adamo a été formidable et même les jeunes qui craignaient d'avoir un concert un peu ringard se sont mis de la partie et ont chanté aussi. Donc ça s'est bien passé. C'est grâce à toute une équipe qui s'est mobilisée. Puis je pense que voilà, on recommence l'année prochaine.